Une écoute téléphonique qui impliquerait le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre malien Boubou Cissé, a fuité. Elle a été balancée sur les réseaux sociaux par l'activiste Chris Yapi. La justice malienne décidait de se saisir de ce dossier et d'ouvrir une instruction, révèle RFI cité par confrère Le Temps. Un prétendu enregistrement audio dans lequel l'on entend la voix du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-premier ministre Boubou Cissé a été balancé sur la toile le week-end dernier. Dans cette conversation, les deux interlocuteurs brocardent les militaires au pouvoir au Mali. Cet élément audio qui dure plus de 4 minutes 40 secondes a fait l'objet d'une instruction au niveau de la justice malienne, apprend-on de Radio France Internationale, RFI, cité par le confrère Le Temps. Le procureur de la commune 4 de Bamako confirme l'ouverture d'une enquête dès la divulgation de cet audio. Certaines personnes, visiblement des soutiens au pouvoir d'Abidjan, faisaient croire qu'il s'agissait d'un montage grossier visant à ternir l'honorabilité du président Alassane Ouattara. Malheureusement pour eux, ce n'est pas le cas pour la justice qui a décidé d'enquêter pour faire la lumière sur cette affaire. Une enquête préliminaire de la justice malienne c'est, une enquête préliminaire de la justice malienne, pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sûreté intérieure et extérieure du Mali. Selon RFI, le procureur du tribunal 4 de Bamako confirme que c'est bien sur cet enregistrement qui dure près de 5 minutes, que porte enquête qui vient d'être ouverte, lit-on dans le journal Le Temps de lundi 14 février 2022. Lire aussi pour la première fois, Laurent Gbagbo révèle ce qui a été à la base de son acquittement à la CPI avant que l'on ne sache s'il s'agit d'une bande authentique ou d'un montage. Il faut savoir dans cette prétendue audio, le président Ouattara traite la Russie de 11e puissance économique qui, selon lui, ne dispose pas de moyens suffisants pour aider le Mali.